Salut les vilains, comment ça va? Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur Final Fantasy 2. Comme vous pouvez le constater, on est à l'extérieur de la grotte, c'est parce que je suis sorti de la grotte hors vidéo, tout simplement. Je voulais vous éviter ça, j'ai ragé comme un gros porc pendant environ 2 heures. Donc non, je n'avais pas de tome de téléportation, je tiens à le dire, le Warp Tome n'est pas un tome de téléportation. Il permet seulement de se déplacer d'un étage à un autre. Bon, ça m'a aidé pour gratter un étage, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on était à 4 étages, ça m'a permis de faire un quart du chemin, mais ça a été super compliqué, je suis mort plein de fois. En fait, à chaque fois que je tombais contre un île gigas, je crevais. Sauf qu'à un moment, dans une tentative, j'ai été sauvé in extremis. Pendant une de mes tentatives, j'ai droppé, je vais vous montrer ça, la Wing Sword, qui est juste là. Et elle est tellement forte en fait qu'elle permet de faire des dégâts même sur les adamantoises et les îles gigas. Du coup c'est ça qui m'a permis de tenir sur ma dernière tentative et de réussir, parce que sinon je perdais. Je pense que j'aurais pas droppé cette épée, on serait jamais sorti de cette grotte tout simplement, parce que on était obligé de croiser les géants ou une tortue sur le chemin du retour. Et franchement je suis très content d'avoir droppé cette arme, elle m'a vraiment sauvé la life. Et vous pouvez aussi être très très content d'avoir évité de nombreuses heures d'orage. Là on aurait déjà eu, comment dire, allez 3-4 épisodes en plus. Je m'excuse rapidement pour l'absence de vidéo d'hier, c'était pour plusieurs raisons. Déjà j'ai chopé un virus informatique, donc ça m'a bien fait chier. Et même quand j'ai voulu vous faire une vidéo, voilà, il fallait que je sorte de cette grotte. Donc tout cela m'a pris la journée, voilà. En plus du fait que j'ai écrit mon chapitre 2 de mon roman sur Wattpad. Alors je ne sais pas si vous connaissez Wattpad, c'est une sorte de site internet où vous pouvez écrire votre livre en petites parties et les poster face aux internautes pour qu'ils vous aident à améliorer votre... votre œuvre tout simplement au fur et à mesure que vous l'écrivez. Donc c'est vraiment super, c'est une plateforme tip top. Donc je vous invite à me retrouver, je vous mettrai spécialement dans la description mon compte Wattpad sur cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux parce que c'est un de mes projets très importants. J'en ai parlé sur ma chaîne manga parce que c'est un petit peu elle ma chaîne littéraire en gros, donc voilà. Vous avez été déjà nombreux à me dire que c'était sympathique, c'était cool comme, comme histoire, donc je suis très content. Et j'entamerai le chapitre 3 dès que j'aurai le temps. Là, on défonce ces petits monstres. Là, il faut retourner à Altaïr, hein, maintenant qu'on a, entre guillemets, obtenu l'aide des dragons. Hein, parce que bon, on a noyé un œuf et l'autre, là, le gros dragon, il est mort. Donc voilà. On va retourner à Altaïr. Et ça va être quand même un long chemin. Ah non, on a le bateau, c'est vrai. Du coup, je peux passer comment? Altaïr, c'est là-bas. Donc, ah merde. J'ai cru qu'il y avait un... Attends, déplace-toi petit doigt, voilà. Ok, il va falloir refaire tout le tour par en haut, du coup. Ah ah! Et que sont ces créatures? On va éviter de mourir là, s'il vous plaît, par contre. Vous avez remarqué, voilà. ma Air Wing, là, enfin ma Knight Wing, elle fait du 250 pendant que mon épée en mitrille, elle fait du 10, quoi. Je pense qu'on ressent la différence. Ah oui, on la ressent bien. Non, franchement, les armes en mitrille, elles sont juste bidons, quoi. Je me suis acheté en me disant, putain, je vais pouvoir me mettre bien pendant un long moment avec ça. Et au final, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Ça tient pas la route. Faut absolument qu'on arrive dans une ville nouvelle. Et là, je vais mourir. Parce que je viens de rejoindre Terre, un endroit où j'étais pas censé rejoindre Terre. Et c'était complètement involontaire. Et comme par hasard, le seul pas que je fais dessus, je me fais agresser. Cette malédiction, je vous jure, incroyable. Bon bah de toute façon, allez vas-y, on essaie de fuir, oh là là. Allez vite, tuez-moi. Putain, c'est ridicule. Plus je suis enrhumé et tout là, c'est pas ma journée. Ce n'est pas ma journée, je le sens bien. Bon super, quand même hein.
Sans faire exprès, je suis rentré sur l'éther. C'était l'éther où on se faisait péter la gueule. Et je marche sur la première case, je me fais agresser. Je savais même pas que c'était possible. Bon. Dépêchez-vous de tuer ces merdes là, s'il vous plaît. Parce que cette île, c'est l'île des monstres avec beaucoup de défense. Comme ça, tu perds là le temps. C'est l'île de la perte de temps, en fait. Truc de dingue. Allez, s'il vous plaît. Putain, si seulement tous mes personnages pouvaient avoir des armes comme la Nightwing, là. Wing. Un truc comme ça. Je sais même plus comment elle s'appelle, cette arme. Mais il le faut, quoi, parce qu'ils font aucun dégât, mes personnages. Putain, Joseph, il faisait plus de dégâts alors qu'on l'avait dans la team il y a 5-6 épisodes, quoi. Il y a clairement un problème d'équipement, là. Ah oui, bah remarquez quand même que Guy et Layla sont morts, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai peut-être réussi à sortir de la grotte grâce à cette épée. Mais il y a eu des dommages, on va dire. On a pris très cher. Surtout que quand même, il y a un moment où j'ai rencontré deux Illgigas en même temps. J'ai réussi à les battre juste avec l'épée. Mais bon, ils sont tous morts, quoi. Mes mates sont morts à ce moment-là. Franchement, j'ai une chance de cocu d'être tombé sur cette épée quand même. Parce que vraiment, on aurait été coincé tout simplement. L'aventure Final Fantasy 2 se serait arrêtée là. Tout bêtement parce qu'il y a des monstres complètement surcheatés avec une défense de dingue et qui sont intuables. Voilà, je vous résume le truc. Ah, donc lui il meurt. Non, mais il y a vraiment un problème d'équipement. Il y a vraiment un gros problème d'équipement, mais c'est pas ma faute quoi. Là, c'est clairement le jeu qui a oublié de mettre des villes. On peut s'acheter un meilleur stuff, parce que là, enfin voilà quoi, les ennemis on leur fait du 10 avec nos corps à corps. C'est qu'il y a un souci, quand même, je suis pas fou. Là y a un petit problème, il faudrait que tout le monde ait des armes au moins équivalentes à la Air Wing. À la Knight Wing, je sais même plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. Certainement que Wing Sword. A Light Sword that slice, non. Cool. Bon. Là ça va être risqué parce que ils sont pas trop nuls ces monstres là, voilà, du 128 ça fait quand même mal. Et j'ai ma Wii U qui s'allume pour me dire il y a la New 3DS qui est sortie, achète-la. Franchement, ça me casse les couilles, je comprends pas. C'est n'importe quoi, je suis désolé. T'achètes la Wii U, tu l'achètes hein. Donc t'as ce gros écran là qui se rallume quand il veut pour te faire de la pub. Genre, en fait, t'achètes un écran publicitaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est casse-couille. Heureusement que ça a pas encore réveillé la nuit. Tu sais, tu te réveilles à 4h du matin. Achetez notre nouveau Super Mario Bros 25. Attends, t'es sérieux? Mais je vous jure, c'est-à-dire que là, ma Wii U, elle est éteinte. Y a que la manette que j'ai posée. Et elle s'allume comme ça quand elle veut pour me dire, tiens, petit pigeon, ça te dit d'acheter tel truc? C'est vraiment une pure salope. Elle se réveille et me dit achète Donkey Kong Country Forest Freeze, je sais pas quoi là, à chaque fois. Non, alors voilà. C'est pour vous prévenir si vous achetez un jour une Wii U. Bon, par contre, je m'éclate hein, dessus. Mario Kart 8 et tout là, je m'éclate à donf. Par contre, j'ai pas aimé Super Smash Bros. J'ai pas trop accroché. Alors que pourtant, je jouais qu'à ça. Je jouais à celui sur GameCube et celui sur Wii U, je jouais qu'à ça. Mais là, il m'a déçu. Celui-ci m'a déçu. Bon, j'espère que maintenant on va réussir à rentrer en vie. Mais en même temps, je suis bête, j'ai pas pensé. J'ai encore plein de high potions, donc on va s'en servir là, juste après ce combat. On va éviter que Firion crève, parce que c'est un petit peu... un petit peu le personnage le plus important maintenant qu'il a une vraie épée. Voilà, donc là du coup on va se heal. Item, les high potions juste ici. Ah oui, j'en ai consommé d'high potions au passage hein. Je pense que ça se voit, j'en ai vraiment chié pour sortir de cette grotte.
On n'est pas loin. Et voilà. J'ai même pas vu que j'avais un perso empoisonné. Les deux, ouais. Le pire, c'est qu'ils vont pas se soigner, là. Putain, c'est qu'ils vont même pas se soigner. Est-ce que j'ai des antidotes sur moi? Vérifier, faut aussi que je soigne la darkness de l'autre, là. Alors, item, antidote, c'est parfait ça, tac, tac. Pour la darkness, c'est Ace Drop normalement. Et j'en ai un juste là, voilà, c'est génial. Et on va enfin pouvoir avoir une team conséquente. Donc, il faut pas passer à l'auberge d'abord, faudrait trouver le... faudrait trouver l'église. Où est l'église? Voilà. Et ramène vite les deux cons à la vie. T'imagines un jour ils me disent non, on les ramène plus à la vie, vous avez utilisé tout votre forfait. Quoi? Tu dois faire tout le reste du jeu avec tes pauvres autres persos là. Putain, si un jour il nous reste que Maria et que ça nous arrive, ok. Tout va bien. Qui sont revenus avec leur 1 PV. Et on va se payer l'auberge. Là. Ah oui, je suis riche au passage. Je suis riche. Vous savez quoi, là on va aller voir le vendeur de sorts. Et on va peut-être s'acheter un des nouveaux sorts d'attaque pour Firion déjà. Parce qu'il a bien monté CMP Firion d'ailleurs, voilà, il est à 76, Maria aussi, il faudrait lui apprendre de nouveaux sorts, elle a que Fire en attaque. Qui est pas mal d'ailleurs, il va déjà passer niveau 7, mais je préfère qu'ils aient tous les sorts élémentaires. Alors, Gaï, ça sert à rien de lui apprendre, hein. Il monte jamais CMP, peu importe le nombre de fois qu'il utilise la magie. Donc, Fire, ils ont tous les deux, Thunder, il faut en acheter un, voilà. Blizzard, il faut en acheter un aussi. Et soins, pas besoin. Ok, donc item. Le Fire Tom. Maria est là et Fire non ici. Ah mais ils l'ont. Ils sont où les autres Tom? Thunder Tom. C'est toi qui l'as pas. Voilà. Ensuite, c'est le Blizzard Tom. Blizzard Tom. Et Firion, il avait tous les sorts? Bizarre ça. J'avais déjà appris tous les sorts. Fire, Thunder, Blizzard, effectivement. Il n'y a pas 4 sorts d'habitude. Fire, Thunder, Blizzard. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas de sort de l'air, je crois, dans ce jeu. Ah non, bah c'est Thunder le sort. Alors attends, putain. Et il n'y a pas de sort de terre, c'est ça? Bon, enfin bref. Je n'y suis pas. Donc là, on est bon. On s'est soigné à l'auberge. Ah oui, on s'était soigné à l'auberge. Le vendeur d'armure, oui, on avait même acheté tous les casques de mitri et tout. Hein. C'était full stuff mitri, et pourtant c'est encore de la grosse merde. Là, on va aller retourner voir Hilda pour lui dire qu'on a réussi. Enfin, qu'on a vite fait réussi, quoi. Et elle doit être dans sa chambre en train de faire sa gamine encore. D'accord, elle voudrait discuter de quelque chose avec nous. Well, nous allons donc partir. Enfin, putain, merde. Je rigole pour rien en plus, je suis fatigué là. Ils vont attendre dehors, ils ont dit. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur le lit. Quoi? Putain. Bon, d'accord, elle veut baiser avec nous, super. Et il accepte en plus. Ah non. votre Altesse. C'est déplacé, voyons. Why are you just an exam? Pourquoi t'attends juste ici? Viens, grand fou. Regarde gauche-droite. Hmm. Oh, bah, il va. Maintenant, tu es mien, Firion. Ah! Ah, tu dois bien te sentir mal, là.
Qu'est-ce que vous avez fait de la princesse? Et de mon... Et du respect. Not so fast, yes, curvy snake, d'accord. Attention, snake. Putain, et je suis fatigué, j'arrive plus à traduire. Je sais ce que ça veut dire, mais je trouve même plus les mots en français, quoi. Bon. Du coup, on est contre un boss. J'espère qu'il est pas trop fort, parce que j'ai pas sauvegardé. Et ça me ferait bien chier de perdre. Donc, attendez, on va faire fire. Hop, on va tester un petit peu tout. Bizarre, non, bah là, on va taper et on va essayer un thunder. Ok. Est-ce que Thunder ça fonctionne bien? S'il vous plaît que oui. Ok, 176. Putain, elle m'a fait du 400 et elle m'a endormi quoi. Tout va bien. Et voilà, le corps à corps de merde. Il nous faut des nouvelles armes, c'est pas possible. Ça c'est ridicule, les dégâts qu'on fait. Pff. Bon bah on va essayer sur du spell. Toi tu vas faire un bazooka sur lui parce que c'est le seul qui a un bon corps à corps. Non, vous êtes sérieux? Non mais maintenant elle ressemble à un gros serpent dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle fait? Maria est tombée amoureuse d'un gros serpent dégueulasse et elle court sur place. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Mais elle est sérieuse cette pute! C'est pas possible! Et il rate son bazooka l'autre! Mais putain, heureusement qu'il s'est réveillé, Firion, parce que là c'était un peu critique. Magie Fire, toi tu vas soigner tout le monde, ou plutôt Layla d'abord. Toi, Thunder. Oh non, mais arrête ça! Putain, qui? Oh là là! Oh là là! Mais putain, mais pourquoi ils font des dégâts à mes personnages et ils arrivent pas à faire des dégâts à un gros serpent dégueulasse? Oh, j'espère juste que je vais pas perdre, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Oh là, Layla, elle est soignée. Bon, ce qui est bien, c'est que le charme, ça dure qu'un tour, donc... On évite les gros dégâts, quoi. Cure sur Firion. Faut vraiment juste que Firion il tombe pas sous le charme. Si Firion tombe sous le charme, il va one-shotter un mec. Non! Non! C'est Maria. Ouf, c'est Maria, c'est bon. Ouf. Putain. J'ai stressé. Tu voyais le petit cœur se déplacer comme ça vers Firion? Ah putain. Elle se fait démonter. Allez, le cure. Voilà, 290. On continue à taper, toi Fire, hop. Toi tu vas soigner elle là, voilà. Et encore Thunder. Oh non, pas le dodo. Bon, je suis un peu choqué de cette chaîne. Bon, je suis fatigué aujourd'hui. Hein. C'est bon, on l'a tué. Je voulais dire cette scène, bien évidemment. On gagne 15 000. Putain, elle était fortunée, hein. Ils ont enlevé la princesse. Et ils m'ont fait croire qu'elle est couchée. Layla, just how much of that did you see? Quoi? Moi, pas comprendre. Nanana. Quoi? Où est la... Ah bah tiens, c'est ça le... Y a que lui qui réagit maintenant, tu sais. Mais où est la vraie princesse? Nous avons de terribles nouvelles. Quoi? La princesse a disparu? Hein? Nous venons d'entendre qu'un tournament... attends, putain. Un tournoi a commencé à Palamessia. Et la princesse Hilda... Et le prix, ça alors, je l'aurais parié, tu vois. Je viens avec vous. Je veux aller à la rescousse de Hilda. Ok. Pas d'inquiétude. Je sais comment vous vous sentez, Captain. Moi et mes hommes, nous allons manager l'armée, en gros gérer leur armée. Je pars avec mon bateau. Putain, ta gueule avec vraiment. Mais regardez, ils lui ont fait parler avec un accent. Moi, je comprends plus rien. C'est bon. Allez, Gordon nous rejoint. Déjà, il sera plus utile. J'espère qu'ils n'ont pas qu'ils ont pas amoindri ses capacités, qu'il est au moins aussi fort que quand on l'a laissé, parce que, je sais pas, ça pue la gaze en fait. Oh putain, la gaze! Ils nous ont gaze là, non? Attends, je crois qu'ils nous ont carrément gaze. Hein. Non, il a gardé son sort. Je vais voir ses équipements là. Non, en fait, il est revenu comme je l'avais laissé. Optimal. Bon, on va lui acheter... On va lui acheter des lances en mitril, je sais même pas s'ils vendent ça, mais...
Si t'as même pas une lance en mithril alors que nous on a tous des trucs en mithril et qu'on fait du 10 de dégâts, ça va être complicado, hein. Je te le dis comme ça. Alors, je suis sûr que le vendeur de base, il doit vendre des meilleurs trucs maintenant. Ah, il vend des trucs à 20, quoi, putain. On lui achète les mithril gloves. Oh là là, ça craint. Il revient, il a 600 PV, putain, il s'est même pas entraîné, quoi. Il a juste posé son gros cul sur sa chaise. Ta mère, toi. Ah, bah attends, mais il y a l'autre qui forge, là, peut-être que... Ok, d'accord, le fou. Donc oui, ils ont des lances en mithril, j'en prends 2, pas 11. Pas comme la dernière fois. Voilà, donc équipement, Gordon, optimal, équipe, ça se dégage. Et on lui met une deuxième lance, là. T'as double lance. Vraiment à la Lancer dans Fate Stay Night, ça c'est stylé, ça. Non, pas dans Fate Stay Night, dans Fate Zero, il y avait le mec qui se battait avec la double lance. En fait, Stay Night, c'est Léon, Lancer. Alors, du coup, là, on va sauvegarder, hein, déjà. Parce qu'on a bien avancé. Voilà. D'ailleurs, on va même se payer une petite auberge. Parce que je vois qu'on est de mal en point. Et j'aimerais me payer des mouchoirs aussi, si possible. Ça serait pas mal. Allez, on va faire des rêves plaisants. Des beaux rêves. Allez. Dormons. Non, je suis vraiment crevé aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Je me pensais en forme et tout. Et finalement, bah non. Pas du tout, du tout. Bon, au moins j'ai la bonne humeur. C'est déjà ça. C'est ce qui compte, on va dire. Hop, alors. Pas la Messia. C'était ça où on va trouver. D'accord. Bon, bah je pense qu'on va trouver sur Assolus, surtout. Donc, la carte. Hop, là on va juste redescendre où on était dans la Solus. Ouais, c'était là. Tac, la carte de Final Fantasy 2. Donc, pas la Messia. Pas la Messia. Pas la... Ah, voilà, pas la Messia. C'est le 20. Et le 20, il est là-bas. Il faut prendre le bateau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va être long. Bon, par contre, ça va être intéressant. Même si c'est. C'est pas super original, on va dire. Un tournoi où tu mets comme prix la princesse, là. J'ai l'impression d'avoir vu ça pas mal de fois déjà. Mais je sens que ça va être intéressant parce que dès qu'il y a un tournoi. Ah, ça me plaît les tournois, j'aime beaucoup ça. Donc c'est parti. J'ai un grand sens de la compétition, hein, faut pas croire. Alors, hop, du coup. Je voulais voir la carte parce que il faut faire. Ouais. Putain, il faut retourner tout là-bas. Refaire le tour du monde. Hein. En fait, il faut vraiment faire le tour du monde parce que on peut y aller qu'en bateau. Et que c'est coincé par les terres, quoi. Il y a une chaîne de montagnes et tout. Donc il faut aller tout droit. Putain, mais c'est pas possible ces dégâts, quoi. Oh là 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 là, mais on est d'accord qu'on veut pas s'acheter des meilleures armes que ça pour l'instant. Je pense qu'on est tous d'accord. Les armes en mithril, c'est l'arme la plus chère qu'on peut s'acheter pour l'instant. J'espère vraiment qu'au château de Palamessia, là, ils vont vendre des meilleures armes parce que c'est mort, sinon c'est vraiment mort. C'est ridicule, on a acheté des trucs en mithril, on fait du 40 de dégâts en tapant deux fois, quoi. Et regardez, l'autre, il a vraiment... Il est tombé sur la bonne épée. Putain, il fait du 212, quoi. Faut que tout le monde ait cette arme-là. Je suis désolé. Faudrait qu'on fasse le système de clone d'objets à la Pokémon. Et là, on aura une bonne team. Il y a des Magikarp qui viennent sur notre bateau et tout. Allez. Tu dégages. Pourquoi elle est par terre, Maria? Ah, elle est empoisonnée, putain. Et j'aurais dû refaire le plein de potions aussi. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé du tout à me faire ce putain de plein de potions. Mais bon, j'imagine que dans la ville, on pourra. Hein.
Et ce qui me fait peur, c'est que c'est un château, vous voyez, les châteaux, putain, il n'y a pas toujours ce qu'on veut là-bas. Il n'y a pas toujours des magasins, même pas d'auberge. Je sens que ça va être bien relou. Ah, attendez. Est-ce que là, du coup, il faut encore continuer? Eh, attendez, je viens de remarquer que la Terre, elle se rejoint. Ah ouais, la Terre, en fait, elle se rejoint à deux endroits différents. Et on aurait pu limite aller à Palamessia à payer, en fait. Vous voyez Altaïr, là, on passait par la gauche, toute la ligne. Hop. Et là, ça rejoignit l'autre côté de la map, en fait. J'avais pas remarqué. Ah, merde. Oh, mais je pense qu'on aurait pas, survécu parce que les monstres là-bas, on avait déjà essayé d'y aller. Il y avait les ballons rouges. Ils nous avaient juste pété la gueule, quoi. Et je fais pas trop confiance à nos dégâts. Donc ouais, c'est mieux de passer par la mer. J'ai envie d'essayer un truc 2 secondes. Si je déséquipe ce mec, comment je peux faire pour déséquiper? On peut pas déséquiper? Attends, je veux t'équiper de rien en fait. Voilà, remove. Remove. Voilà, de toute façon dans tous les cas, il tapera pas plus ou ni moins. C'est juste pour qu'il augmente ses attaques au point nu. Et comme ça, lui, il aura pas besoin au moins d'avoir des armes bon marché, on va dire, pour savoir se battre. J'espère qu'il va finir comme Joseph. Ah ouais, mais du coup, il attaque qu'une fois, quoi. Ouais, non, on va lui remettre les haches, c'est ridicule. Il aurait fallu faire ça depuis le début du jeu, en fait. Donc là, on est sur les terres où il y a le château de Palamessia. J'espère qu'on va pas se faire agresser parce que les monstres ici doivent être assez violents. On va quand même sauvegarder. Voilà. Et comment on fait pour entrer dans le château? Attends, merde, mais c'est... What the fuck? Attends. Eh oui, mais je vois plus rien, moi. Oh, merde. Fallait faire le tour comme ça. Mais ils sont vraiment chiants, quand même. Hein. Ils sont vraiment relous. Attends, mais y a pas moyen de faire le tour... Pousse ton doigt de merde. Et non, y a pas moyen. Oh là 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 là, casse-couille. Oh, putain, et on croise des aliens. Qui vont nous arracher la tête, non? Oh, bordel. Ah mon nez! Bon, je pense qu'on va utiliser des sorts là. Je pense qu'on va utiliser des sorts. Toi tu peux taper, ça va. Toi fire sur lui. Toi cure sur lui. Ah ouais, mais du coup on a perdu l'autre qui avait des spells, putain. En fait Gordon c'est une pauvre merde. Pourquoi il nous a rejoint? Bon il meurt lui au moins. Voilà. Et tous les autres sont paralysés. Super. Bon, c'est la mort. Ils sont beaucoup trop forts, les ennemis. Mais en même temps, moi, je peux pas être plus fort que ça. C'est ça, le Beans. C'est là qu'il y a un problème sur le jeu. C'est que les ennemis sont trop forts et moi, je peux pas être plus fort que ça. Et je suis obligé. C'est la zone où je suis censé accéder dans le jeu, là. C'est complètement con. Vas-y, va essayer de soigner l'autre. J'ai pas envie qu'il meure, quand même. Ça serait bien qu'il reste en vie. Et voilà, Maria qui est reparalysée. Pas de paralysation, s'il vous plaît. Donc, un mort déjà. Ça, c'est bien ça.
Et voilà, 2-2. Non mais c'est complètement abusé. C'est abusé sa mère. Bon allez vite tuez-moi là, je sais que vous me parlez à chaque fois, il n'y a pas moyen de fuir sur le jeu, donc vite faites que je meurs là. Le pire c'est qu'on a essayé sur le jeu, hein. On a essayé de fuir hein, contre le monstre de niveau 1 du départ qui était seul, on n'a pas réussi. Donc c'est là que tu te rends compte que non, tu peux pas fuir sur le jeu, c'est juste pas possible. Cette option est inutile. Du coup là ce qu'on peut faire, bah il faut faire tout le tour dans tous les cas, j'espère que les monstres sont pas trop forts. Normalement non parce qu'on était déjà allé chercher le bateau de Tamba. Donc on devrait survivre. Allez. Par là, et là il faut tout descendre. Ah non d'accord, on croise des chimères. Ok. Ok, on croise des chimères les mecs sur le chemin. Le truc qui était un boss juste au donjon précédent, Gordon qui meurt, voilà, c'est très bien. J'ai envie de pleurer. Bon, lui il meurt. Là, tu vas faire un fire au cas où. Mais il meurt même pas quoi, mais c'est pas croyable. Meurs s'il te plaît. Collégialement, il faut clever maintenant. Wow. Oh cette chute de FPS là. Bah, on va avoir des chutes de FPS de temps en temps. Ça, je crois que c'est à cause du virus informatique que je me suis bouffé. Faut vraiment que je sois un moyen pour le dégager. Tout ira bien. Voilà. Mon père est informaticien, donc ça devrait pas me poser trop de problèmes. Ce virus il me pose des problèmes, mais vraiment des gros. Franchement, c'est que c'est le big virus of the big virus, quoi. Donc, je voulais faire quoi? Magie. Life. Attends, elle peut ranimer tout le monde d'un coup, putain. D'accord. Voilà. Donc là on va se retrouver dans l'arène directement. Donc c'est sûr qu'on va pas pouvoir s'acheter d'armes déjà. Enfin ça sent quoi pas pouvoir s'acheter d'armes. Putain j'en ai marre de ce rhume. Ah. Ça me brouille le cerveau là. Alors attends, fire. Le pire, c'est que je sais que même si je me mouche, ça va pas partir. C'est une sorte de rhume bien dans les sinus, là, bien profond. Un truc qui peut pas sortir. Ah, c'est horrible. Allez, fire encore. Qui est passé niveau 7, hein, au passage, mais il va falloir que ça soit niveau 9 pour une nouvelle animation. Lui il meurt. S'il vous plaît. Voilà. Magie, Pio, hop là. Voilà. C'est bon, on est dans le Colisée. Du coup, on va save. Voilà. On va visiter un petit peu. Attends, mais directement, il faut aller se battre là? Vous êtes sérieux? Attends, what the fuck?
Ouais, d'accord, direct, c'est le fight. Ah non, tu t'achètes pas d'armes. Oh, c'est l'empereur. Oh, c'est l'empereur direct. Tu vas devoir te battre aujourd'hui. To the victor goes Hilda. Pour récupérer Hilda, la princesse de Finn. Bien, et je vais me battre contre quoi? Je vais perdre instant, je sais. Je le sens, ça pue la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me ferait presque penser à Star Wars un petit peu. Ah, on se bat contre Behemoth. Behemoth, ok, d'accord. Le roi des bêtes, je vois très bien. Tout va très bien dans ce monde. On va se faire péter la gueule. Allez. Ça va être génialissime. 303. Bon, évidemment, les dégâts useless. Ouh, ça va me péter le fion, ça. Voilà, on a deux personnages inutiles dans la team. Ah, putain. On continue à attaquer, hein. Toi, tu vas faire fire. Le pire, c'est que ça, on va enchaîner des combats, quoi. Donc, non, c'est mort, c'est carrément mort. Non, mais il faut une ville où ils vendent des meilleures armes que ça. Je suis désolé, je peux pas faire autrement, là. Je peux pas. Les personnages, ils tapent du 0 et 0. Putain, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et voilà, on peut déjà plus lancer de fire. Très bien. Bah, Thunder, écoute. Je vais aller juste sur Asolus, combien il a de PV. Je sais pas combien il a de PV. C'est génial. Bon, Thunder, bizarre, cure sur Maria. Bon, de toute façon, on va y arriver, hein. Ça va prendre environ une demi-heure, mais on va y arriver, parce qu'il fait toujours des coups à 300, et vu qu'on peut soigner du 300 aussi, voilà quoi, on va s'en sortir. Ah bah tiens, fallait que tu fasses du 589 maintenant, t'es rigolo toi. J'ai des paires de FPS, c'est chiant. Je suis désolé pour vous, hein, sur la vidéo, vous devez les ressentir de toute façon. Les paires de FPS, à certains moments, je peux rien faire. Pas du temps, ça tourne à 60 comme avant. Mais il y a des moments où il y a des grosses baisses. Et ça, c'est ça pue le virus. Ça pue le virus informatique et on va essayer d'arranger ça rapidement, mais je peux rien promettre quoi. Lui qui part sur du sort, parce que c'est vrai qu'il fait de la merde en tous les cas. C'est quoi mon sort? Ouais, c'est bizarre. Magie tender. Magie bizarre. Hop. Et soin sur Firion. Oh putain, d'accord, je vois. Oh bah non, on peut plus soigner. Bah si, Firion pourrait soigner, mais du coup on met plus de dégâts quoi.
Ah bah voilà. On a tué Behemoth. Ça nous rapporte pas de fric, j'imagine? Non. Un noble combat, je crois, il nous dit. Maintenant, donnez-nous votre juste reward. C'est votre chance pour tuer l'empereur. D'accord. Donc, reward, c'est cette récompense. Ok, donc là. Bah, je crois que lui, il a le sort-téléporte. Et là, on se fait arrêter. Ah, par le chevalier noir. Ok, mettez-les en cellule. Bien. Donc, on pensait pouvoir tuer l'empereur. Mais on n'arrive pas à gérer le chevalier noir et trois gardes. Bah oui, mon gars, t'as bien rêvé. Bon, du coup, on est en cellule. Je sais pas ce qui va se passer. J'imagine que c'est le chevalier noir ou Léon qui va nous sortir de là. Mais ça, on le saura pour l'épisode suivant. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura tout de même plu. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss! Et à la prochaine!